Oh là. Donc là, on est sur un jeune cheval. C'est la 4 ou 5e fois qu'il a le collier. Donc c'est un petit peu... Et là, on va aller le tester tranquillement en débardage. Donc on met un collier assez confortable pour justement ne pas lui faire mal à l'épaule et qu'il prenne goût à tirer. Ce qu'il y a de bien avec ces vieux colliers, hein, c'est qu'on a vraiment des matelassures qui épousent bien la forme du cheval et qui sont alors ou en paille ou en crin de cheval, ce qui permet d'absorber la transpiration. Vous voyez, avec cette toile de jute, ça absorbe la transpiration et du coup, ça évite tous les frottements sur les épaules des chevaux. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment très bien fait, ces vieux colliers. Le seul souci qu'on a, c'est que ce sont des colliers qui ne sont pas réglables. Donc, on dit qu'on a un collier par type de cheval. Donc, il faut vraiment adapter le collier par rapport à son type de cheval. Et ensuite, on a la croupière, hein, qui évite que le collier passe par-dessus la tête quand le cheval baisse la tête. Hein. Elle sert uniquement à ça et également à tenir les traits quand on va tirer la grume. La seule particularité qu'on a sur ces brides-là pour faire du débardage ou du travail de sol, c'est qu'elles n'ont pas d'œillères. Notamment pour faire du débardage, on ne met pas d'œillères parce qu'on veut... Il peut tout le temps y avoir des branches qui se coincent entre l'œillère et l'œil du cheval. Donc on veut que les chevaux aient une visibilité globale et qu'on n'ait pas de frottement avec des branches. C'est pour ça qu'on ne met jamais d'œillères quand on fait du débardage. En débardage, vous allez voir en forêt, c'est pas évident de marcher et tout ça. Il se peut qu'on tombe, hein, mais le cheval, il faut qu'il continue dans sa traction. Il ne faut pas que quand on tombe, si on a des guides un peu courtes, qu'on se retient à la bouche du cheval. Il faut que le cheval il continue à travailler. C'est pas notre faute à nous qui doit pénaliser le cheval. Donc c'est pour ça qu'on prend des guides assez longues, de façon que si des fois ça nous arrive de tomber, si des fois ça nous arrive de passer derrière la grume, on n'est pas à gêner le cheval. On peut être juste à côté du cheval hein, quand le terrain nous le permet, et notamment avec les jeunes chevaux, en général on ne se tient pas trop loin pour pouvoir les guider correctement. Mais après on peut être à 3-4 mètres derrière, hein, c'est pas gênant. On a même, lorsque les chevaux sont bien éduqués, à terme on a même des chevaux qui ne travaillent qu'à la voix. On y va. Allez. Là, on est sur du jeune cheval, on ne va pas partir sur des temps qui sont très longs, c'est la première fois qu'il va faire du débardage. Donc on va partir sur 20 minutes, une demi-heure de travail, qu'on va pouvoir répéter plusieurs fois dans la journée pour lui donner une endurance. C'est surtout ça l'important. C'est pas de le dégoûter sur un travail physique important, c'est de pouvoir lui donner une endurance tout au long de la journée. Aller lui faire voir la forêt pour qu'il s'imprègne un peu de l'environnement, et puis après on va venir là prendre des trous pour aller le mettre, aller lui faire un petit peu de traction en forêt. Allez, okay. Là, il se comporte bien, on voit qu'il est franchement pas inquiet. Hein. On le sent dans l'attention des guides et on le sent dans l'attitude du cheval en général. On sent un cheval qui est quand même très décontracté, mais par contre qui n'a pas du tout l'habitude. Donc là, on va essayer d'aller le mettre en forêt. Allez, hop, hop. Là, il a peur un peu des souches, mais bon. Allez, va, non Diego. Hop, 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 allez. Allez, super, ça c'est bien.
Allez, va. Va. Allez, hop, hop. Voilà, on voit qu'il se comporte bien. Alors, ce qu'il faut, c'est bien repérer le circuit qu'on veut faire, parce qu'une fois qu'on est un petit peu emmêlé dans les arbres, c'est moins facile à s'en défaire. Donc il faut que le cheval réponde parfaitement à ce qu'on lui demande. Donc, l'arrêt, oh, la deux. Super. Un cheval de débardage, on doit être capable, hein, puisqu'il faut qu'on travaille quand même autour du cheval, hein, on doit être capable de poser ses guides et d'avoir un cheval qui ne bouge pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'après avec le palonnier, on va venir derrière, on va pouvoir atteler sa grume, on va pouvoir faire plein de choses comme ça. Et le cheval, du coup, il est en toute confiance, donc il ne va pas bouger. S'il veut brouter, il n'y a pas de souci. Ça, c'est autorisé. Hein. Voilà. Allez, Diego, marche. Ouais, superbe. Allez, Diego, marche. Ouais, voilà. Hop, hop. Voilà. Allez, hop, hop. Super. Gauche, voilà. Gauche. Allez, on va aller chercher un petit morceau de bois. L'intérêt du cheval, c'est de tirer sur des courtes distances, des grumes qui peuvent être assez lourdes, mais vraiment sur de la courte distance, quoi. Et donc, on va voir les réactions qu'il va avoir avec un petit morceau de bois, enfin une petite grume derrière lui, savoir si justement il se met dans le collier pour tirer, quoi. Mais il a l'air d'avoir des aptitudes, me disiez-vous. Oui, il a des aptitudes au travail du sol, en règle générale, et aussi au débardage, quoi. Donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est justement la résistance qu'il a un petit peu, s'il se met bien dans le travail, s'il se met bien dans le collier pour travailler. Voilà, là on a attaché le palonnier, hein, pour le palonnier, c'est ce qui sert à tracter. Hein, voilà. Encore un pas. Ouais, super gamin. Voilà. Et ensuite, on va attacher la chaîne autour avec ce qu'on appelle une arête. L'arête, hop, voilà, ça tu mets ça. Hein, l'arête, c'est ce qui permet d'attacher la chaîne, donc la grume, au cheval. Diego, en place, des, allez, hop, va mon grand, va. Hey, c'est bien ça. Va, va, va. Là, on voit bien qu'on a un cheval qui se met dans le travail. Vous voyez, il baisse la tête, il essaye de tirer, il essaye de pousser avec ses postérieurs et de tirer avec ses antérieurs. Il est dans une bonne attitude de travail. Il est vraiment au pas tranquillement, ça c'est important. C'est ce qu'on recherche dans le cheval de trait, hein. Et qu'il ne parte pas dans la précipitation et qu'il fasse vraiment un travail régulier, à son rythme. Le cheval a fini le travail, il faut l'enlever de la traction. C'est pour ça que je l'ai fait reculer un petit peu, de façon qu'il reste tranquille, qu'il ne se sente pas obligé de repartir tout de suite. Il est bien, il résiste. Voilà. Diego, avec moi. Allez, marche, doucement. Allez. Super.
Donc là, je me tiens un petit peu de trois quarts par rapport au cheval. C'est parce que je veux avoir une tension un peu régulière dans sa bouche pour l'aider vraiment. Hein, on est vraiment sur du jeune cheval. Et le jeune cheval, on n'a pas le droit de le laisser un petit peu libre. Il faut vraiment qu'on lui donne des informations claires sur ce qu'on fait. Bon. Allez. Hein, donc c'est pour ça que je me tiens là. Que je lui parle régulièrement, ça c'est pour le rassurer, pour lui dire que ce qu'il fait c'est bien. Un cheval, ça interagit beaucoup sur ce qu'on appelle la notion de confort-inconfort. Là. Oh, là. Quand ils sont dans le confort, les chevaux apprécient. Et dans ce cas-là, ils aiment bien être en corrélation avec nous. Quand ils sont dans l'inconfort, quand on les met dans l'inconfort, ils réagissent d'une manière où du coup, ils sont pas bien du tout et ils n'aiment pas le travail qu'ils font. On est vraiment dans une ère maintenant où il faut qu'on respecte le cheval un maximum et de travailler dans le confort avec eux. Vous avez vu, quand on a été au box, c'est un cheval qui est content de venir travailler. Et s'il est content de venir travailler, c'est qu'on a bien fait notre travail avant. Diego, en place. Diego, hop, en place. Allez, chut. Diego, en place. Marchez. Allez, hop. Super. Allez, Diego, gauche. Non, non. Allez, gauche. Allez, hop. Marche. Hop. Allez. Allez, devant. Devant. Alors là, on va voir autre chose. On va voir autre chose. C'est ce qu'on on peut apparenter ça un petit peu de l'attelage sportif. Donc on a un harnais donc type poste. Pourquoi ? Parce que c'est un harnais qui est dans une seule pièce et qui sont un petit peu le harnais qu'on utilisait avant dans les relais de poste pour passer d'un cheval à l'autre et donc qui était réglable sur tout type de cheval. La bonne. Quand on a l'habitude, c'est simple comme tout à mettre en place. Vous voyez, là, le harnais, il est mis en place. Il n'y a plus qu'à mettre la sangle là sur sangle, à mettre la croupière et à le fixer un petit peu, et ensuite à faire les réglages. Mais c'est quand même, vous avez vu, en deux, trois mouvements, c'est mis en place. C'est le culeron avec la croupière qui évite à ce que le mantelet vienne toucher le garrot du cheval. Donc maintenant on travaille avec des sangles élastiques, ce qui est quand même un confort pour le cheval, ça permet de pas trop comprimer le cheval. Hop, voilà, là le harnais est mis, il s'agit maintenant de faire les réglages pour l'ajuster. Donc, on a déjà réglé la croupière. Ensuite, on a le réglage de la bricole. Donc la bricole, elle doit être au-dessus de l'épaule. C'est très important de dégager les épaules, puisque si on tire avec la pointe de l'épaule, on risque de blesser son cheval. Donc le cheval va vouloir le faire une journée, et le lendemain, vous n'allez plus pouvoir l'atteler parce qu'il va avoir des épaules qui vont être douloureuses. Donc
La bricole doit être positionnée au-dessus de l'épaule. Donc on dit tout le temps, une main au-dessus de l'épaule, et on a le milieu de la bricole qui arrive là. Donc ensuite, on a la valoir avec nous. La valoir, c'est ce qui sert à retenir la voiture. Et donc, la valoir doit être horizontale entre les deux barres de fesses, un cheval d'aplomb, donc horizontale entre les deux barres de fesses, et l'anneau au niveau du grasset. Et ensuite, on peut mettre un point entre la fesse du cheval et la voilure une fois que c'est tendu. Donc là, vous voyez qu'on est un petit peu lâche. Donc on va resserrer de deux trous ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour voir si ensuite on est bien réglé. On fait tout le temps des réglages symétriques. Voilà, là, j'ai un point derrière, vous voyez. Donc là, on est bien réglé. Donc ensuite, il nous reste la bride à mettre. Hop, je remets tous les passants. Par rapport à tout à l'heure, on va atteler avec des œillères. Pourquoi avec des œillères? C'est un peu la tradition dans les haras nationaux. Et parce qu'avant, on n'attelait que des étalons, donc c'était quand même assez pratique qu'ils ne se voient pas, pour pas qu'ils se chamaillent pendant les attelages. Donc c'est pour ça qu'on attelait avec des œillères, et donc on continue cette tradition. Donc on a donc ces œillères, avec des montants d'œillères, on a la muserolle et on a le mort. Là, on est sur du mort classique Liverpool. Alors, on tient la bride dans la main droite, on vient placer le mort aux commissures des lèvres, on ouvre la bouche du cheval avec son pouce, de façon à éviter d'entrechoquer le mort sur les dents. Ensuite, on passe une oreille et l'autre. On attache la sous-gorge, donc attelage en paire, la sous-gorge est serrée. De façon à éviter que les chevaux se frottent au timon ou se frottent entre eux et se débrident. Ensuite, on règle la muserolle. La muserolle, elle est deux doigts sous la peau physiognomique et une muserolle doit être serrée. Pourquoi une muserolle est serrée? Parce que c'est ce qui va permettre d'avoir un contact régulier sur la bouche du cheval. Si on a une muserolle qui est desserrée, le cheval va ouvrir la bouche et on ne va plus avoir un contact doux et régulier sur la bouche du cheval. Donc c'est pour ça qu'on serre la muserolle. Et ensuite, on règle la gourmette. Donc la gourmette, elle ne doit pas être trop serrée, elle doit avoir un effet que quand on agit sur les guides. Donc on prend les deux barres du mort et lorsqu'on actionne, il faut que quand la gourmette est en action, il faut que l'angle entre la bouche du cheval et les barres du mort soit à 45 degrés. Voilà, là on a une bonne action. Et quand on relâche, et bien on n'a plus l'effet de la gourmette. Donc voilà. Ensuite, on met les guides bien à plat. Donc, ça va être le cheval qui va être à droite. Donc, la guide gauche, je la mets comme ceci en attente, parce qu'on va venir la croiser sur le cheval de gauche. Et la guide droite, qui est la guide directe, je vais la mettre directement au milieu. Et voilà, on est prêt à partir. T'es prêt, Nico ? Oui. Hop. Et là. Temps de préparation, 5 minutes. Oh, quand on a l'habitude, oui, 5 minutes. Quand on a l'habitude, de ses chevaux et de ses réglages, en 5 minutes, le cheval est garni et prêt à mettre à la voiture. C'est vraiment très pratique.
éclat. Le travail en voiture, c'est quotidien ? C'est pas quotidien. C'est, on essaie d'alterner un peu le travail. C'est un jour attelé, un jour monté, un jour travail en longue graine, un jour du paddock. On essaie d'alterner. Mais c'est pas quotidien l'attelage. Hein. Salut le kilo. Donc là, on commence par croiser les chevaux, vous voyez, on a deux croisières, donc on met la croisière du cheval de droite sur le cheval de gauche et la croisière du cheval de gauche sur le cheval de droite, de façon à avoir une action sur les deux chevaux en même temps. Ensuite, on met ce qu'on appelle des chaînettes. Voilà. Ça, c'est avec des jeunes chevaux, c'est une des phases les plus dangereuses avec les chevaux, c'est de mettre les chevaux à la voiture. Parce qu'ils peuvent avoir peur de ce qui leur arrive derrière. Ils peuvent être un peu surpris. Ensuite, on met le trait externe du cheval de droite pour canaliser le cheval à la voiture. Hop. Voilà. Ensuite, on met le trait interne. Voilà. On passe la guide du cheval de droite sur le cheval de gauche, lanceur. Oh là. Voilà. On récupère le guide qu'on met bien à plat. On les met en attente. On prend le trait du cheval de gauche, le trait externe, on met le cheval à la voiture, lanceur, encore, lanceur. Voilà, derrière. Et le cheval interne, et le trait interne. Voilà, il nous reste à régler les chaînettes. C'est ce qui va permettre au cheval de retenir la voiture. Donc là, voilà. Sur des traits tendus, vous voyez les traits du cheval de gauche sont tendus, il faut que les chaînettes soient légèrement détendues. Voilà, comme ceci, comme ça. Ou on a une action sur les traits pour tirer la voiture, ou on a une action sur les chaînettes pour retenir la voiture. Les chevaux se prêtent relativement bien à cela. Oui, quand ils ont l'habitude, après, il n'y a pas de souci. Hein. Tout est une question pour eux d'habitude et le fait de travailler quand même dans le calme, ça les aide quand même beaucoup. Là, je vais remettre un trou. Voilà. Il faut combien de temps pour vraiment bien habituer un cheval à être attelé ? On a une phase de débourrage qui dure à peu près un mois. Et ensuite, pour avoir des chevaux qui vont bien tranquillement à la voiture, on a quand même un à deux mois de travail supplémentaire. Donc là, on est prêt. On fait un tour rapide pour voir si tout va bien. On n'a rien oublié. Et ensuite, on monte en voiture. Donc, on prend les guides. Bien à plat. Le flot des guides dans le petit bois. Voilà.
Ce qui est important, c'est de faire partir les chevaux dans le calme. Les chevaux partent au pas tranquillement, ils ont une traction régulière, les deux chevaux ont une traction régulière. On le voit par rapport au trait, hein, ou par rapport aux croisières, mais on le voit surtout par rapport au trait. Donc là, on a les deux chevaux qui travaillent en même temps, et ça, c'est important. Donc ici, nous nous situons dans la sellerie d'honneur. La sellerie d'honneur, c'est là où est entreposé tous les harnais qui servent notamment pour les jeudis du pain. Donc là, ici, nous avons tous les harnais pour les chevaux de trait et également tous les harnais de chevaux de sang. Tout cela sert encore régulièrement tous les jeudis pour les présentations. On a également un squelette. Dans tous les haras, nous disposions d'un squelette pour un petit peu comprendre la mécanique du cheval. Nous avons également toute une collection de morts que nous n'utilisons plus. Ce sont des morts qui ont été utilisés avant pour contraindre un peu les chevaux. Et maintenant, nous ne sommes plus du tout dans cette politique-là. Nous avons plus dans le sens du cheval que contre le cheval. Nous, ce qu'on essaie un petit peu ici, c'est de leur trouver une valence. C'est-à-dire dans quelle direction on peut les améliorer, puisque notre but, c'est d'améliorer les chevaux. Donc, dans quelle direction on peut les améliorer de façon à leur trouver des éventuels débouchés. Donc, ou en débardage, ou en travail du sol, au travail de la vigne, mais également des chevaux utilitaires qui peuvent aller aussi bien dans les villes qu'au Mont-Saint-Michel, pourquoi pas au Puy du Fou, ou alors des chevaux de loisirs ou de sport qui peuvent très bien faire de la compétition. De ce côté-ci, nous avons les voitures d'attelage, je dirais de prestige, qui ont quand même été, pas des voitures pure haras nationaux, qui ont été données aux haras nationaux par des propriétaires, des propriétaires privés. Ici, nous avons notamment un Milor fermé, qui a été restauré par M. Guerlain en 1997, je crois. Elle a été vraiment refaite dans son jus et donc malheureusement c'est des voitures qui sont maintenant classées monuments historiques et où on a beaucoup de mal à les sortir quoi, hein, donc, par le fait qu'elles sont classées monuments historiques quoi. Donc ensuite nous avons différents types de voitures, un Phaéton,
Ça, c'est des voitures plus typiques haras nationaux, puisque c'est un grand break de chasse. Donc, c'est dans plus dans le type haras national. Et celle-ci a une particularité, c'est que ça a été fabriqué à Paris par Molbacher. Molbacher, c'était un peu la Rolls-Royce des voitures à l'époque. On a également un road coach. Road coach qui était la voiture de transport par excellence, donc où on avait un peu d'argent et on était à l'intérieur, où on avait moins d'argent et on se situait sur les parties hautes de la voiture. C'est ce qu'on appelle un petit peu la diligence, mais bon, la diligence plus européenne. Et ici, on a une dormeuse ou un coupé de voyage, c'est-à-dire que les gens de maison qui se mettaient derrière, qui freinaient également derrière, et qui menait derrière, et les gens étaient à l'intérieur et pouvaient s'allonger dans la voiture. Et la voiture typique haras nationaux, qui est le squelette. Le squelette qui servait à l'entraînement quotidien des chevaux. Donc les chevaux étaient attelés tous les jours sur ce type de voiture, notamment en paire. Donc c'est la même base, le même châssis que le break, mais avec beaucoup moins de fioritures autour. Ça servait vraiment à l'entraînement, hein, avec des gens qui pouvaient se mettre derrière. Et puis ensuite, on avait un peu les voitures de service, qui étaient la charrette, enfin le tilbury ou la charrette anglaise. Mais ça, c'est pas franchement haras nationaux, sauf le tilbury qui permettait d'aller chercher des gens à la gare quand il n'y avait pas trop de monde. Et donc, notamment pour aller chercher des gens à la gare, on a également l'omnibus, hein, qui était plus ou moins gros suivant les dépôts d'étalons. Et suivant la proximité de la gare. Donc là, nous, on est assez loin des gares. Donc on avait un omnibus qui était assez important, donc qui pouvait être attelé en paire, mais aussi à 3 ou à 5. Hein, à 3 en attelage à l'évêque, parce qu'on a quand même quelques côtes dans le secteur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on attelait à 3 de front. Donc voilà. Attention! Allez, cette fois-ci, c'est parti! Ouais! Oh, quel public et quel public! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ici dans la carrière de la Poste pour cette représentation des Jeudis du Pain. 1, 2, 3! Allez, vous avez à tous les encourager, je leur sors.